l'option du gouvernement. De régler de manière durable cette crise requiert des efforts. Certes impopulaires et douloureux, mais incontournables pour définir et mettre en place les règles d'une nouvelle gouvernance de la chose publique. Partant de cette action, en même temps que les indemnités et autres primes des agents de l'État sont reconsidérées, le gouvernement a pris d'autres mesures pour accélérer le processus engagé de sortie de crise qui frappe de plein fouet notre pays. À cet objectif, adopté en conseil de cabinet le décret portant réglementation du concours d'entrée à la fonction publique pour plus d'équité et d'égalité des chances aux candidats. C'est ainsi qu'il a été décidé de l'apurement immédiat de l'ensemble des impayés des biens et services en instance au Trésor. Sur le plan social, le gouvernement a intégralement soldé les arriérés de bourse des étudiants grâce aux économies réalisées sur la masse salariale du mois de janvier, que le gouvernement a décidé d'une baisse notable du prix du gaz. Désormais, les prix du gaz sont respectivement ramenés à 1 000 francs pour le gaz de 3 kg, à 2 500 francs pour le gaz de 6 kg, à 5 000 francs pour le gaz de 12 kg et demi, à 11 000 francs celui de 25 kg et à 14 500 celui de 32 kg. Il s'agit...